ça me porte. Nous avons attiré les déchus ici. Non. Ces vautours nous suivent depuis que nous avons évacué la Terre. Sloane, Amanda, la ruche a tout infecté. Holiday, il faut que vous repreniez votre vaisseau. Nous avons besoin de vous pour évaluer la menace depuis les airs et s'assurer que le périmètre est sécurisé. Ouais. Vous savez quoi? Mon vaisseau a pas mal souffert quand on a évacué. Une fois que nous aurons rétabli le courant, votre vaisseau sera le premier à être réparé. Super. Super. On arrive à distinguer les convertisseurs d'énergie des vagues. Super. Vous n'avez plus qu'à activer l'interrupteur pour les allumer. Accès au système en cours. Quelques pistons bougent, mais nous sommes toujours dans le noir. Il doit y avoir un problème. Les pistons doivent être bloqués. Désolé, les amis. Mais vous allez devoir sortir et trouver un moyen de réparer ça.
avez entendu ça? Nous sommes sur les plateformes des convertisseurs. Ok. Vérifiez les pistons en panne pour voir ce qui les bloque. Une fois qu'ils pourront tous bouger, nous aurons du courant. Oh oui, nous avons trouvé la source du problème. La ruche a sali nos pistons. Trouvons un moyen de réparer ça. Le premier piston est opérationnel. Nous l'avons bien décapé. C'est génial, mais on est toujours dans le noir par ici. On dirait qu'il reste des choses à décaper, gardienne. Le dernier piston est dégagé. Le centre de contrôle est toujours dans le noir. Mais c'est sûrement plus qu'un simple problème de piston. Il va falloir aller jouer un peu avec le disjoncteur. Essayez la plateforme centrale. Tout le courant est acheminé par là. Thank you.
disjoncteur devrait se trouver dans le coin. Trouvez-le et activez l'interrupteur, tout comme je vous l'ai demandé. Ouais, le courant est rétabli. Vous avez tous fait de l'excellent travail. Mais nous devons toujours nous occuper de ces communications ennemies interceptées. Récupérez ce que vous pouvez, puis continuez votre chemin. Oh, la vue est magnifique, hein? Grâce à vous, nous sommes opérationnels. Mais il reste pas mal de choses à faire ici. Avant tout, il faut réussir à préparer la riposte contre la Légion Rouge. J'ai un plan, mais sans vous, il ne fonctionnera pas. Lors de l'évacuation de la cité, nous avons intercepté un signal prioritaire de la Légion Rouge, mais nous n'arrivons pas à le déchiffrer. Selon Holiday, il y a une technologie qui permettrait de le faire à l'Arcologie, qui est en territoire hostile. Vous serez à l'aveugle. Ce lieu n'a pas été visité depuis des siècles. Tout ce qu'on sait, c'est que la ruche y sévit, et ça ne va pas vous faciliter la tâche. Mais, si ça vous intéresse, menons ce plan à exécution. Lancez une recherche sur Wei Ming et envoyez-moi les fichiers. Et inutile de faire cette tête. Je ne vous vois pas, mais je sais exactement quelle tête vous faites. Holiday a détecté un détournement d'électricité inhabituel dans l'Arcologie. Ouais, y a qu'un truc qui peut justifier un courant pareil. Un réseau de processeurs ultra puissants. Peut-être qu'ils le seront assez pour décoder le signal cabal que nous avons intercepté. Malheureusement, nous ne savons pas où se situe ce réseau. Vous allez devoir fouiller dans le coin, sans trop attirer l'attention. Gardienne, nous devons récupérer cet élément pour faire basculer cette guerre avec la Légion Rouge en notre faveur. Sans lui, impossible de savoir ce qui arrivera. Apparemment, le système d'exploitation de l'Arcologie est de nouveau en ligne. J'en étais sûr. Gardez l'œil ouvert pour trouver un terminal d'accès. Vous pourrez l'utiliser pour localiser le réseau de processeurs. Par ici. Voilà un des terminaux que vous recherchiez. Le réseau de processeurs se trouve plus bas dans les sous-sols de maintenance. Amanda, c'est bien ce que nous recherchons ? Bingo ! C'est bien là ! Bien, je sais où nous devons aller. Il ne nous reste plus qu'à descendre.
plein territoire de la ruche. Dans ce cas, utilisons les communications radio que si c'est nécessaire. Nous ne voudrions pas attirer l'attention inutilement. Thank you.
ça m'étonnerait que la ruche n'ait pas entendu cette alarme. Partez d'ici, gardienne. Nous avons le processeur, mais nous avons réveillé la colonie de la ruche tout entière. Et il y a un sacré bout de chemin jusqu'à la surface. Ils n'arriveront pas à atteindre la sortie, commandant. Gardienne, pouvez-vous rejoindre le centre de l'archéologie? Nous devrions pouvoir envoyer quelqu'un pour vous récupérer. Holiday. Ouais, je m'en charge. Cette route mène au centre de l'archéologie. Trouvons un moyen de nous échapper une fois que nous y serons. Le temps d'attacher ma ceinture et je décolle. Je serai là en un rien de temps. Amanda? Commandant? Bon vol. Et revenez vite. Oui, commandant. Au bout de la route. Excellent travail, vous deux. Ramenez ce processeur au centre de contrôle et décodez ses transmissions. Finalement, les choses semblent tourner en notre faveur. Il l'appelle le Tout-Puissant. C'est le joyau de la Légion Rouge, l'œuvre ultime de leur chef, Dominus Ghaul. Ghaul a asservi des centaines de mondes. Ceux qui lui ont résisté n'existent plus. Car le Tout-Puissant peut anéantir des étoiles. Personne ne peut survivre à l'ambition de Ghaul. Ce qu'il veut, c'est le voyageur et sa lumière. Quant au Tout-Puissant, il est pointé vers notre soleil. La guerre est terminée, commandant. Et nous avons perdu. Nous avons construit notre cité sous la protection du voyageur. Et quand nos ennemis nous ont attaqués, nous avons construit un mur qui a tenu plusieurs siècles. Mais les murs ne servent plus à rien. Cet ennemi nous a arrachés à notre foyer. Il nous a pris notre lumière. Et maintenant, c'est notre vie à tous qu'il menace. Il va falloir tout donner contre ce soi-disant tout-puissant.
Dans combien de temps est-ce que la flotte sera prête? Zavala, attendez. Si nous attendons, nous y passons tous. Mais si nous attaquons, ensemble, nous pourrons tenter de récupérer notre lumière, notre cité et notre espoir. Ou mourir avec honneur. Il me faut mon escouade. J'ai besoin de Cade et d'Ikora.